Oh bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Life After. Une vidéo que j'attends depuis très très longtemps de vous faire et que je peux enfin le faire. Vous allez voir à l'écran, de manière vous l'avez vu très certainement dans le titre. Je suis passé level 32 en Gathering, level 32 en Craft et level 30 en Combat. Ce qui veut dire que je peux enfin améliorer ma base au level 7. Je peux enfin monter manoir level 7 dans le jeu. Donc ça fait très longtemps que j'attends de le faire. Regardez là à l'écran, je suis actuellement manoir level 6. Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'attends de le faire depuis très longtemps? En soi, ça sert pas à grand chose, mais en fait, si, ça sert notamment à débloquer de nouveaux crafts. Du coup, on va voir ce que je vais débloquer. Ça va également me permettre de débloquer les, enfin, de me servir des armures que j'ai réussi à débloquer, des armes à feu, etc. Et ça permet également de pouvoir poser plus de, comment dire, de, pas de mobilier, mais plus de murs, plus de plafonds, etc. dans la base. Donc je vais pouvoir refaire toute ma base. Je pense que je vais me caler un jour en stream et que j'irai. Parce qu'en gros on peut. Alors il y a un truc dans le jeu, je crois que c'est Nurse. Où voilà, où on paye 3 000 $ et pendant 6 heures on peut bah, simplement modifier notre base comme on veut sans se prendre la tête, etc. Du coup un jour je pense que je le ferai vu que vous voyez que c'est un peu le bordel. Et que j'aurais bien aimé refaire totalement la base, le design. Enfin j'ai une idée de truc assez sympathique. Et en attendant ça, bah, juste déjà finir la base, mettre des toits, boucher les trous, etc. Et voilà, donc. On est enfin parti, vous voyez à l'écran, il faut être du coup level 30 dans toutes les, les compétences. Pour ceux-là, pour ceux qui galèrent, en vrai, pour, à mon avis, surtout les gens vont galérer pour la compétence combat, parce que la compétence gathering et craft, elles se montent très très facilement, genre c'est vraiment pas un problème. La compétence combat, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez tous les jours? Vous faites le non-CCT, vous faites du coup le 12v12, et également tous les jours, vous faites l'université level 2 minimum. Le level 1, il sert à rien, le level 3, il est utile uniquement si vous êtes à 4 et que vous savez quoi faire, comment faire, etc. et vous êtes méga stuff. Bonnes armures, etc. Les bonnes armes et tout. Et voilà. Mais c'est le seul truc qui va un peu poser problème. Après le reste, les composants qu'ils ont besoin, du coup, il faut de la brique, du granit, du ciment, du hard aluminium alloy. Ça, c'est vraiment très très simple à crafter. Vous n'avez pas à vous emmerder. Donc, on va enfin passer level 7. On est parti. Ça prend 10 secondes, vous voyez. C'est vraiment rapide. Ça, c'est cool. Autant il y a des crafts qui sont un peu longs, qui vont prendre genre une demi-heure, etc. Ou alors les modes d'armes, les modes d'équipement, etc. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce que je les ai enfin débloqués. Autant le passer manoir level 7, ça se fait assez rapidement. Du coup, voilà, ça se fait en 10 secondes. Et après, le prochain objectif, c'est d'être bah, manoir level 8. Manoir level 8, d'ailleurs, on va regarder ce qu'il faut pour le faire. Ok, c'est pas très très cher. La glace, ça s'achète. Et le style, ça va être très galère à faire. Quoique, le style, on en a eu 5 hier. Hier, on a fait le boss de clan hier soir à minuit. On en a eu 5 styles. Donc, en fait. Ça va pas être si compliqué que ça, je pense que pareil, le seul truc un peu problématique, ça va être le combat que je vais devoir augmenter, et voilà. Donc, manoir upgraded. Et voilà, donc là maintenant, le max de mes compétences est le level 37. Ça va, quoique à mon avis, je vais être, avant de réussir à être level 35 en combat, je serai largement level 37 en craft et en gathering. On a trois nouvelles du coup, trois nouveaux crafts pour ça. On a la MP5, c'est une SMG, voilà tout simplement, qui coûte du coup 10 steel pipe, on ira voir ça après. On peut maintenant faire du steel. On a également le polyester close. Ok, on verra ce que ça donne. Là, j'ai level 4 construction, j'ai un drawing desk, j'ai une chaise et j'ai un dressing. On va aller voir ça. Gacha. Et on est parti. Du coup, je suis enfin manoir level 7. Et d'ailleurs, on va aller vérifier un truc tout de suite. Mais ouais, je vais pas vous en parler dans cette vidéo, mais je l'introduis rapidement. J'ai commencé à mettre tous les crafts, du coup, enfin tous les équipements sur les armures, etc. et sur les armes. Là, ils sont uniquement level 1 parce qu'il y a des levels, etc. Je vous expliquerai ça en vidéo. Comment les faire, etc. J'ai également mis les. J'ai mis que deux modes sur l'arme, mais j'ai le troisième qui arrive. J'ai le troisième qui arrive, mais du coup, j'ai le Fine Muzzle et le Fine Stock. Voilà. Je sais pas c'est quoi la traduction en français, mais voilà. Donc normalement j'ai débloqué. Ah oui, j'ai débloqué ça, d'ailleurs ça je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait un craft à 20 ou à 60, je sais plus, et j'ai débloqué du coup une flash. Voilà, ça va pas vraiment me servir, mais bon, on prend. Du coup, j'ai débloqué la MP5 et d'ailleurs je suis en train de. Ah non, manoir level 8, d'accord, ok. Manoir level 8, mais je peux faire déjà la MP5 Dany Vanguard. Et celle-là, elle me coûte ouais, super cher à faire. Ça s'achète si j'ai pas de bêtises. Ça se craft. Ça se craft. Ça c'est très cher, mais ça se craft. Ça se craft également. Mais il faut que j'achète les trucs des loggers et des M-pickers. Du coup, un peu chiante à faire la MP5. On va pas se mentir. Mais également, maintenant je peux crafter celui-là. Vous savez que c'était le sniper que j'avais appris. Et je peux enfin m'en servir. Mais bon, le sniper il est quand même un peu cher. On va pas se mentir. Le sniper il coûte un peu la peau du cul. Et du coup, je peux enfin faire celle-là. Pourquoi il me dit Enable with Combat Mastery? Oui, je vais être. Quoi? Mais je suis combat level 30, frérot.
Non, juste à mon avis, j'ai pas les matériaux. Ouais, il faudra que j'aille me focus pour réussir à la faire parce que ça va me coûter 5 de ça. Et encore pas mal de plastique. Le plastique étant une des ressources les plus rares du jeu. C'est très très galère de réussir à avoir du plastique. Et attendez d'ailleurs, j'ai eu des nouveaux crafts si je dis pas de bêtises là-dedans du coup. J'ai Wardrop, voilà. Wardrop qui me coûte. Ah oui, ça coûte 5 steel quand même. Bon, on va pas la faire, hein. Et du coup, c'est un placard qui a 26 coffres, alors que le placard blanc, il y en a 24, c'est ça? 22? Ouais, la différence, elle est vraiment pas ouf, hein. Je vais garder le. À mon avis, le solid chest, le solid closet reste le mieux. Wardrop, c'est pas ouf. À mon avis, ne vous emmerdez pas à faire ça. Et également, qu'est-ce que j'ai débloqué? J'ai débloqué. What? Ok, d'accord. Ah oui, j'ai débloqué ça, le drawing desk. Qui. Ok, d'accord, pourquoi pas. Apparemment, ça a pas d'utilité. Apparemment, c'est juste élégant. M'en bat les couilles, mais ok, bah, c'est cool. Et j'ai également débloqué la laser chest, mais qui me coûte également du steel. What? Eh, vous savez, eh, c'est super cher à faire le steel, hein. Le steel, je vais vous montrer, mais attendez. Le steel, c'est monstrueusement cher, hein. Eux, ils te font ça dans le jeu en mode ouais, tranquille et tout. Ah non, en fait, c'est tranquille. Non, non, en fait, c'est tranquille. Non, j'ai dit de la merde. C'est tranquille parce que je suis mineur. Enfin, mineur, mais majeur dans la. Yes. Yes. Mais du coup, je suis mineur et le silicone, j'en ai facilement, entre guillemets, juste à former la zone. J'ai même limite trop de copper, trop de cuivre, etc. Mais le silicone, je peux en avoir assez facilement. Du coup, le steel, bah, je pourrais en faire et je pourrais même faire le mariole et mettre plein de trucs qui coûtent du steel dans la base. Mais alors, attendez. À chercher un coffre, il faut que j'aille dans le coffre. C'est quel coffre déjà? C'est pas meuble? Yes, c'est coffre meuble. Attendez, on va prendre des portes et tout, mais normalement, si je dis pas bêtise, normalement je peux poser. Je peux finir la base. Normalement, je peux finir la base. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Vous voyez à l'écran que je suis à 225 sur 235. Et si je pose un mur, ça me dit quoi? 226. Ok, du coup j'ai juste. Ah, j'ai que 10 emplacements en plus. Ok. Bah, on va mettre des plafonds, hein. On va éviter de mettre des murs, on va mettre des plafonds, hein. On va mettre des plafonds, je crois. Ceci dit, j'ai 9 plafonds à mettre. On va pas aller loin avec 9 plafonds, hein. Clairement. Mais ouais, de manière, je vais refaire la base. Je vais clairement refaire un truc un peu plus joli, un peu plus stylé que ce que j'ai là. Mais ouais, alors attendez, est-ce qu'on peut faire 10 plafonds déjà? On peut en faire. C'est quoi? Je vais juste en faire 8, ça me prend 20 secondes à faire. On peut en faire 8. Et d'ailleurs, ouais, je vous prépare une vidéo. Je vous prépare une vidéo genre méga pack opening. Là-dessus, pour l'instant, j'ai 100 formula shards. Je pense pas refaire des fusions 4 parce que je vous l'avais dit, j'ai débloqué un peu bah, la meilleure armure du jeu. Et après, les armes à feu ici, je m'en fous un peu. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt des armes à feu que je peux crafter facilement. Du style le fusil à pompe. La Thompson avec un skin, etc. L'UMP9 avec les nouveaux skins. Une tenue que je peux également crafter assez facilement. Genre celle-là qui est pas trop chère à crafter. Donc, ouais, je pense que je ferai un méga pack opening de trucs à 60 histoire de débloquer de nouveaux crafts et de tenter bah, des nouvelles choses. Et tout, c'était gras. Alors, attendez, on va remonter. Hop. Par contre, je comprends pas comment. Il y a un mec en face de chez moi. Il a une putain de baraque. Et la question, c'est comment est-ce qu'il a fait alors qu'on est vachement limité. Genre, le mec, il a je sais pas combien d'étages et tout. Mais je suis en train de voir, en fait, on est giga limité de la mort. Parce que là, en fait, là, c'est bientôt fini pour moi. Je mets ça là. Je mets ça là. Je mets ça là. Je mets ça là. Yes. Ici, ça va. Nickel. Et ici, ça va pas. Il faut que je mette un. Bah, j'ai plus de. Attendez, on va refaire des plafonds. On va totalement les refaire des plafonds. D'ailleurs, je vais passer par là. Hop. Et voilà. Ouais, j'ai fait des petits trucs dans la base. On a fait des petits passages comme ça, un peu secrets en quelque sorte, par lesquels je peux m'extirper. On va dire ça comme ça. Ah oui, également, j'ai débloqué ça. Je peux faire des murs de level 4. Voilà. Par contre, ça me coûte des dents de bête, les beasts tous. C'est très 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 rare. C'est très très galère d'en obtenir, honnêtement. Je crois qu'on en obtient dans la Main de Snow, qui est du coup bah, la dernière zone, la zone la plus hard du jeu actuellement. On en obtient dedans. Et autant vous dire que les bestioles, elles sont genre level 30 ou 40, je sais plus. Enfin, il y a des bambis, mais c'est des bambis. Même les bambis, ils sont vénères. Genre, les loups, ils font 100 de dégâts. Du coup, je suis en mode, ouais, bah voilà quoi. On va arrêter de s'aventurer là-dedans. Mais voilà, normalement, je peux mettre ça là. Est-ce que celui-là, je peux le mettre là? Ah, voilà. Et du coup, là, j'ai plus de place. Là, j'ai plus de place. Il me dit Must Unlock Ground, upgrade the miner to get. Blablabla. Alors, je sais pas ce que c'est, Must Unlock Grounds. J'en ai aucune idée. Peut-être que c'est un.
Peut-être que c'est un truc à apprendre, repair, on va faire toutes les... C'est quoi? On va tenter tous les skills. Recycling, non. House repair, non. Bas les couilles. Master key, skill, non. Blablabla. Make auto, blabla. What? Auto gather? Speed of logging, mining and gathering is increased by fan as the gathering become available. Yes, because Brian is in the kitchen. Allez hop, grave cool. Par contre, c'est quoi le truc? Unlock ground? Bah écoutez, s'il y a des gens qui savent... Parce que là, j'en ai pas la moindre idée. Mais quand je posais un truc, regardez. Il me dit Must unlock grounds, upgrade the manor. Mais upgrade the manor, bah, faut que je passe level 8 le manoir. Mais du coup, ça, c'est un peu compliqué de passer level 8 le manoir, on va pas se mentir. Et ouais, regardez, je fais un petit sofa là, avec la petite table et tout. C'est la table de l'event. Il y a un event d'ailleurs, Saint-Valentin. Enfin, c'est pas Saint-Valentin, mais il y a un event White Day. En cours, on peut gagner des. Bah, notamment, on peut acheter des formules à shard. On peut acheter 10 formules à shard avec la monnaie de l'event. Il y a des quêtes. Là, il ne reste plus que les quêtes à se connecter, etc. Du coup, c'est pas les quêtes les plus dures, on va pas se mentir. C'est des quêtes assez simples. Après, je pourrais acheter des formules à shard. Et voilà! Bref, la vidéo touche à sa fin. Je suis grave deg, hein. Je pensais pouvoir finir ma base. Et en fait, pas du tout. Je pense que je vais devoir la modifier et faire juste un petit troisième étage. Mais en fait, regardez. Il y a un mec en face de chez moi. D'ailleurs, il y a un mec en face de chez moi. Regardez, je vais vous montrer un truc. C'est que de manière, je vais le faire en vidéo et je lui dirai, regarde la vidéo parce qu'en fait, il a fait sa base. Déjà, il a 4 étages, cette espèce de margoulin. Il a également des murs qui sont un peu défoncés. Je crois que c'est un peu un. Je sais pas si c'est un style ou autre. C'est ok, on va dire. Mais en gros, bon, déjà, il y a des coffres là. Après, ça se trouve, il a fait juste des coffres pour faire stylé en mode ouais, je lui délivre et tout. Mais voilà, le mec s'est dit, tiens, je fais un étage, mais qu'est-ce que je fais? Je bloque, ensuite, je mets des portes. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de porte. Oh, il avait un petit bouquet. Ah, il a pris le bouquet lui, ok. Mais en fait, il se trouve que on peut monter là sur la barrière, là ici, et ensuite on arrive du coup dans sa base en quelque sorte. Il y a son truc R&D, il y a son petit ordinateur là. Et du coup, si je veux, je peux aller dormir dans son lit. Donc voilà, ces petits trucs, c'est mon petit côté un peu pervers. Je peux aller dormir dans le lit des autres. Et également, regardez qu'est-ce qu'il a au mur, vous le voyez là. Il a un espèce de portant où il a pu mettre du coup, je crois que c'est une Thompson en haut et une UMP. D'ailleurs, c'est le même skin, c'est le skin Snow Elite, je crois, si j'ai pas de bêtises. Et du coup, il a crafté ça. Je sais pas du tout comment on fait pour le crafter, j'aimerais bien savoir. Faudrait que je lui demande d'ailleurs quel est le nom de ce craft. Mais voilà, en vrai, lui, il se met bien. Je trouve qu'il a un peu la maison avec une des meilleures vues, même si bon, le problème de sa maison, c'est qu'il a beaucoup de vis-à-vis sur la mienne. Nickel, j'ai pas. Comment je fais pour sortir de là? Ah, j'ai pu rentrer dans sa maison! Ah, d'accord, ok. Ok, bah je peux rentrer dans sa maison. Mais genre vraiment, quoi. D'accord, bah tout va bien. Excuse-moi, il y a un peu de poussière là, j'ai vu. Et là aussi, en haut de la bibliothèque, j'ai vu un peu de poussière. Mais ouais, d'accord, bah faudra que je lui dise qu'on peut rentrer dans sa base, hein. Faudra qu'il fasse gaffe à ça. Vu qu'on peut apparemment totalement entrer à la base, mais j'ai peur d'être bloqué et de devoir. Ah non, attendez, je peux passer par là. Yes. Et là, je peux me barrer. Yes. Du coup, voilà. Faites gaffe quand vous faites vos bases. Essayez bien de tester, etc. Parce qu'évidemment, il y a plein de petites subtilités en quelque sorte. Évidemment, je peux rien lui piquer parce que je suis quelqu'un du clan, etc. Mais si jamais quelqu'un vient à le raid ou autre, il peut du coup. Voilà. J'ai pas vu de piège en plus dans sa base. Ça se trouve, il y a plein de pièges dans sa base. Et c'est fait exprès. Le mec, il a mis plein de pièges et tout. Enfin, ça se trouve, il a fait un truc monstrueux. Et voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Toujours petite base de merde qu'il va falloir que. Bah, en fait, je pense que je vais clairement la full modifier et tenter autre chose. Et voilà, parce que là, c'est pas possible en fait. Là, c'est pas une base. C'est Bagdad. Je croirais qu'il y a un obus qui est arrivé et qui m'a tout défoncé en fait. Je croirais vraiment un truc genre pris plein la gueule. Mais ouais, ou alors faut que je trouve comment on unlock Grounds vu qu'apparemment ça permettrait de débloquer plus d'espace. Je sais pas. Bon, au moins maintenant j'ai un toit au-dessus de la tête pour dormir. Du coup la nuit je suis plus quand il pleut bah je suis plus mouillé. Ça fait quand même plaisir. Pardon, excusez-moi, la caméra est un peu bizarre. Mais ouais, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, petite vidéo comme ça, histoire de passer du coup manoir level 7. Bah maintenant on va farmer. D'ailleurs, je voulais voir un truc. Est-ce que quand je passe manoir level 7, est-ce que mes compétences. Ah non, je suis à 0 points d'XP. Ce qui est un peu dégueulasse parce qu'avant j'avais farmé, mais comme j'étais level max, je prenais pas d'XP. Du coup, j'ai un peu perdu d'XP. Donc ça fait un peu chier. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prochain objectif, manoir level 8. On espère y arriver un jour. De toute façon, on va y arriver un jour, mais la question est quand? Et voilà, bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Mais ou bien, salut, salut, bye bye.